Donc je vais vous présenter Kinewall, un produit Kinedo. Donc Kinedo, c'est un fabricant français de douches et de receveurs, de parois et de panneaux muraux. Donc Kinewall, c'est une solution qui permet de faire une rénovation d'espace douche en un minimum de temps avec une parfaite étanchéité. C'est une alternative en fait aux revêtements classiques que sont la faïence ou que sont les autres revêtements qu'on peut voir sur le marché. Alors le principe, la décomposition en fait d'un panneau Kinewall, c'est à la fois un noyau en polyéthylène, donc parfaitement étanche, deux lames d'aluminium avec un revêtement hydrofuge imprimé. Voilà, donc là on a 12 décors différents. Ça permet en fait de gagner en temps de pose. On est sur une pose soit collée, soit vissée, mais la pose collée en fait est largement suffisante. Alors comment ça fonctionne? Là vous avez une maquette d'un espace de douche en angle. Bon, là le panneau Kinewall est posé. Et là je vais vous montrer en fait la simplicité de pose d'un panneau Kinewall. Donc ces panneaux-là en fait sont proposés en 6 tailles, donc deux hauteurs, 2 mètres ou 2,50 m, 1 mètre, 1,25 m, 1,50 m en largeur. Ça permet en fait d'avoir un maximum de possibilités, sachant que ces panneaux sont parfaitement redécoupables, en fait juste avec une lame carbure. Voilà. Donc le panneau est livré, par exemple, il est livré en 2 mètres par 1 mètre. Soit vous les positionnez avec des profilés qui peuvent être fournis, soit juste avec colle et silicone. Donc là, je vais vous faire une démonstration très rapide sur la pose avec un profilé. Il y a plusieurs types de profilés. Il y a le profilé d'angle que vous avez ici au milieu. Vous avez les profilés d'extrémité. Vous avez les profilés de jonction qui sont en fait... Là, vous avez une coupe qui vont permettre en fait de mettre de bord à bord. Sachant que ces profilés-là, encore une fois, ne sont pas obligatoires. C'est purement esthétique. Ça renforce aussi un peu l'étanchéité, mais on va toujours préconiser un cordon de silicone pour parfaire l'étanchéité. Donc, on vous livre le panneau. Là, le panneau, il est recouvert en fait d'un film plastique de protection. Vous enlevez le film plastique. Vous avez des doubles faces que vous mettez en extrémité juste pour avoir une adhésion assez immédiate. Et ensuite, vous mettez des points de colle, une colle. Alors, c'est en fonction du revêtement que vous allez recouvrir. Ça peut être une colle pour le placo, une colle pour un matériau très brut. C'est des colles type polymère. À raison de 30 cm, vous faites des points de colle et vous pouvez positionner directement votre panneau. Si vous avez décidé en fait de positionner un profilé d'angle, il suffit juste de le visser. Vous avez 4 points de vis sur un côté et c'est suffisant. Vous avez mis votre profilé d'angle. Le receveur, vous le positionnez toujours en premier. Hop. Voilà, contre le mur. Vous avez juste à glisser. Hop. Ici le panneau, et ensuite vous allez rajouter le profilé d'extrémité. Alors vous avez deux possibilités, soit vous décidez juste de le coller, donc là le petit côté suffit, vous avez juste à clipser, hop, et ça vient en fait cacher en fait le bord et éventuellement la découpe que vous avez pu faire si vous avez été obligé de faire une découpe. Si vous avez décidé de visser, vous pouvez visser à raison de pas plus de 6 mm en bordure, et là vous allez utiliser le bord long comme ici. Voilà. Alors évidemment, dans les autres profilés qu'on peut proposer, ça va être des profilés d'angle sortant. C'est-à-dire que là, si j'avais un autre mur, je pourrais très bien mettre un panneau ici, un panneau ici. Et j'ai je ne l'ai pas ici, mais on a un profilé sortant qui permet aussi d'avoir un parfait recouvrement en fait, des extrémités. Voilà. Donc c'est un produit qui est fabriqué en France, puisque Kinedo est une marque française qui fabrique en France, en Loire-Atlantique. On imprime, là cette année, on a une douzaine de décors différents. Vous avez ici, vous pouvez regarder. Donc il y a à la fois des décors classiques type tomate, type ici c'est du métro, mais vous allez avoir aussi des effets de marbre, vous allez aussi avoir des effets de, par exemple de bois. Et l'année prochaine, en 2023, on aura une cinquantaine de nouveaux décors. Voilà. Alors je vous invite à venir sur kinedo.com où là vous avez l'ensemble de nos catalogues et notre gamme. Les gros avantages de ce panneau-là, c'est assurer une surface complètement plane, étanchéité parfaite, possibilité de redécouper en fonction des contraintes des contraintes de taille ou des contraintes, par exemple, vous pouvez avoir une colonne, vous pouvez avoir des choses où vous allez vraiment pouvoir faire du sur-mesure. Vous pouvez évidemment castrer, une robinetterie encastrée peut tout à fait être intégrée. Vous avez juste avec une scie cloche, vous faites deux trous, un joint de silicone, et là c'est bon. Voilà.
L'avantage, c'est que c'est la rapidité de pose par rapport à de la faïence classique. On est d'accord. Vous allez gagner en temps de pose, donc aussi en coût de main d'œuvre. Voilà. Et il y a également le fait de pouvoir plus facilement, alors, en termes de transport, là, on est sur vraiment des panneaux. Voilà, si vous avez un camion adapté, mais 2 mètres ou 2 mètres 50 max, c'est quand même facile, donc plus facile à manipuler. Et ensuite, l'autre avantage également, c'est que vous pouvez, on a une gamme illimitée possible puisqu'on imprime nous-mêmes les décors qu'on choisit. Donc il y a des possibilités aussi d'avoir de plus en plus de modèles proposés.